comment vous sentez-vous à quelques semaines, à quelques jours du début du championnat? Je pense que le groupe est en train de monter en puissance. On voit ce matin encore, on a fait une belle séance collective et physique. Bon, il faut, c'est un nouveau style de jeu. Il y a un nouveau groupe, il y a pas mal de nouveaux joueurs, pas mal de jeunes. Donc il y a des automatismes à prendre, il faudra être patient. Mais je pense que déjà collectivement, dans l'état d'esprit, ça, il y a quelque chose. Est-ce que vous pouvez dresser un bilan des deux matchs amicaux contre Tarbes et Stade Français? Le bilan, c'est plutôt le staff qui le fait. Après, nous, on n'est pas trop. Je pense qu'on est monté en puissance sur la conquête déjà, ce qui est bien, ce qui était normal aussi. On n'avait fait qu'une semaine de rugby pour Tarbes, donc la conquête n'était pas encore bien réglée. Sur le match du Stade Français, la conquête était très bien. Et puis voilà, après, c'est l'état d'esprit cette année qui va animer, faut qu'il anime le reste. Quoi. Donc c'est ce qu'on a vu, et ça c'est le point positif à retenir. Après, surtout le travail à faire, c'est le staff est en train de mettre le doigt dessus, c'est ce qu'on essaie de faire en entraînement pour s'améliorer. Est-ce que le travail du troisième ligne change avec les nouveaux commandements en mêlée? Moi je dirais oui, pour une chose, pour l'effet de groupe. C'est-à-dire que c'est lui presque qui va annoncer la cohésion pour la pousser. Parce que c'est lui qui va voir le ballon, qui va voir quand est-ce qu'il va falloir qu'on pousse ensemble. Par contre, c'est vrai que les règlements, c'est très difficile là, pour le 8 de devant, notamment la première ligne. Ils ont dénaturé, ce règlement dénature la mêlée. Quoi. Donc c'est vrai qu'il va falloir un moment d'adaptation. Tout à l'heure, Jalil Narjissi nous disait qu'il aimerait bien que Toulouse soit champion de France en top 14. Est-ce que vous avez un pronostic au top 14? Franchement, donner là aujourd'hui... j'aimerais clairement, parce que sur l'année dernière ils méritent au moins un titre, ils ont que dalle, mais peut-être clairement j'aimerais, mais après ça va être dur s'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent jouer au tableau. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux supporters? Qu'ils viennent et on essaiera de montrer autre chose. Ok.